La première manutention qu'on va faire, ça va être sur les bébés inférieurs à 8 mois. Donc comme ils n'ont pas de tonus musculaire au niveau des cervicales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulager les cervicales tout en préservant notre dos. Pour aborder le bébé, ce que l'on va faire, c'est que soit on va se mettre en fente avant, le dos toujours droit, ou alors le bassin calé est contre la table allongée, de manière à soulager notre dos et à faire le moins de manutention possible. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va récupérer au niveau des cervicales, ici, et on mettra la main entre les deux jambes, de manière à le faire pivoter de cette manière, et là, le mettre contre son épaule. Alors, toujours devant, de manière à ce que le bébé puisse voir ce qui se passe. Je refais la petite manutention, de cette manière. Ce que l'on va faire, mettre la main derrière les cervicales, ici, le dos toujours droit, le bassin appuyé contre la table allongée, et on le pose contre son épaule. Ensuite, on va le poser. Comment ça va, Marc ? Ici, le genou derrière le lit où on va le poser. La main derrière les cervicales, on va le faire glisser sur sa jambe de manière à le poser en ayant toujours le dos droit. Voilà. C'est beau, quoi. Il a faim, non ?